Dès que j'ai commencé à composer, écrire, j'ai toujours voulu communiquer avec ce que je fais, comme chef, que comme compositeur. Et je peux certainement dire que j'étais sérieusement influencé par une expérience à l'âge... Bon, j'avais 16 ans, 17 ans, et j'ai joué au violon dans mon propre orchestre de jeunes dans la ville où j'étais né. En Nordrhein-Westfalen, en Allemagne, et j'étais fasciné par ce moment d'être entouré de cette qualité physique du son. Et à l'âge de 16 ans, j'avais la possibilité d'étudier la direction, et un peu plus tard, on m'a donné la possibilité de diriger, de travailler avec mon propre orchestre des jeunes. J'ai eu la possibilité de toucher, de faire un rapport avec cet instrument de l'orchestre. Et après cette expérience-là, j'ai loué des partitions des chefs d'œuvre du XXe siècle, des partitions de Bartok, Ravel, Debussy, tout ça, Stravinsky. En ce moment, je n'avais pas encore entendu des compositeurs tels Lachenmann, Ligeti, etc. Ça venait un peu plus tard. Et j'ai commencé à l'âge de 17 ans à écrire des œuvres pour orchestre. J'ai pas le désir à reconstruire un autre œuvre d'art dans la musique. J'ai toujours voulu être très honnête sur mes sources d'inspiration. Dans mes années 20, c'était certainement la poésie, la littérature. Vous avez cité Arthur Rimbaud avec ses paysages imaginatifs. Avec cette qualité très directe de ces mots qui, pour moi personnellement, créent des images sonores en même temps. C'est une source qui m'a permis de trouver des sonorités. 6 encore une fois, s'il vous plaît. Pas trop forcé, il est forte. Avec caractère et des bons gestes. Pomme! Caractère, c'est là. Plus tard, dans mes années 30, j'étais vraiment fasciné par l'art visuel contemporain. Hein. Vous avez cité des artistes comme Amzel Kiefer ou Cy Twombly, Giacometti, qui m'ont énormément fasciné. Touche. Ordinario. Maintenant, couleur. Echo. Et en étudiant ces œuvres d'art, j'ai remarqué que nous faisons exactement la même chose en parlant des techniques. Quand vous regardez une œuvre de Cy Twombly avec tous ces scribbles, et ces chiffres, et comment il applique plusieurs textures de couleurs, et des différents instruments comme des crayons ou des brosses, tout ça. C'est exactement la même chose qu'avec la composition. 66, bah, bang! 1! Ici, à Paris, nous avons un ensemble de 31 musiciens. C'est un très grand ensemble et c'est très différent de ce qu'on a par rapport à Francfort.
ou à Vienne avec le Klang Forum. Et ça nous permet de créer un répertoire très différent des autres formations qu'à Francfort ou Vienne. Pour moi, personnellement, comme compositeur et chef d'orchestre, ce que me fascine, c'est qu'un ensemble de 15 jusqu'à 30 musiciens peut facilement sonner comme un orchestre, mais en même temps, ça contient la complexité de la musique de chambre. Exactement, sans rythme. Vous avez remarqué que je prends un petit pin d'orgue sur la note du corps. Et tu peux lier cette note-là jusqu'à la mesure après. Oh, pas trop. OK, numéro 6. Numéro 6. L'épée est vraiment forte. J'espère bien à créer un nouveau répertoire ensemble, avec l'ensemble d'interprètes, avec mes musiciens, bien sûr. Et nous cherchons des compositeurs qui veulent écrire des pièces des vastes proportions. On a commencé à parler avec plusieurs vidéographes, scénographes, des gens qui travaillent avec de la lumière, des metteurs en scène, des danseurs, tout ça pour élargir le champ de nos activités et trouver des collaborations avec plusieurs formes d'art. La taxe, c'est un peu plus court, mais avec une résonance. L'ensemble intercontemporain a une capacité énorme de virtuosité, de brillance, de vitesse, tout ça. Et quelque chose que vraiment, en chose très français, c'est la conscience pour le détail, hein, la légèreté. Un ensemble de français peuvent très facilement jouer en piano, en pianississimo. Mais toujours avec vibrato, même les pits. Oui. On va certainement garder des chefs d'œuvre du XXe siècle pour créer quelque chose dans quelque chose comme une perspective qui nous aide à comprendre les œuvres de l'époque et ce que nous arrivera dans l'avenir. Vraiment pianissimo, les cordes ténues, et après un grand crescendo avant un. Yum. Un. Piano. Très court, Benny. Court. On va ouvrir une partie de nos répétitions. Parce que dans un de mes festivals que je dirige à Heidelberg en Allemagne, j'ai eu l'expérience que le public est vraiment intéressé comment une œuvre musicale ou un concert, un programme est produit. Les défis d'une répétition, les défis entre le dialogue, la communication d'un compositeur avec ses musiciens. Alors. Bam, tac, tac, one, two, three, four. Yeah, we save that for tonight. Okay. Yes, perfect. Yeah, that was beautiful. I think that works very well.
Very good. That works. You mind if I just... No, oh, please do. Please. Yeah. Yeah. And are you going to show them? Now, here in Heidelberg, where Germany, the old Germany, seems particularly German, is a magical place. And every time I go back here, which is once a year for this week of the festival, I feel very touched by looking back at what my country has to offer, which I actually sometimes neglected because I was so attracted by other cultures and other countries. So going to Heidelberg means coming home, but much more because I get to work with these wonderful musicians who I get to choose on a very subjective basis. So the festival direction gives me carte blanche to really pick all the composers I want to have here and pick every single musician who is part of our wonderful festival orchestra and festival ensemble. And people who come here have a great time, and it's all about dialogue and interaction. So every composer, every musician, every other already established guest composer, every member of the audience is invited to, at any time of any point of rehearsals, to really ask questions and unfold the process of what it means to produce a concert, especially with new music, where the music sometimes is unheard and even unplayed. So all the challenges we have to overcome to make this piece turn out in a convincing and wonderful way is fascinating. And I think for our audience here in Heidelberg, it's remarkable. I mean, there's always people sitting in any rehearsal because they love being part of the process of how things are being created, and not only in the act of the creation. Coming to Heidelberg means coming home to my musical family who all gather here. They come from all over the world. I'm inviting people from all continents, and they spend this week together and share music making in a beautiful way. So it's interesting that this is happening in Germany, which I abandoned like quite a long time ago. Having been born and having grown up in Germany, I was always looking over the border, and I was always looking towards France. Since I was 16, I was so fascinated by the French culture. So I would say that I basically left my country. I left Germany when I was 16. I went to school in England. I lived in London, spent some time in Israel. I started actually living in Paris partly when I was in my mid-20s, and I loved it. One of my strongest musical impressions I ever had was on the occasion when I had my first commission being played with the Berlin Philharmonic, one of the most wonderful orchestras of the world. But it was not the fact that I had my first commission from Claudio Abbado and he was giving me the honor to play my music. It was that I sat next to a very young, 17, 18 years old guy from Africa who came to Germany as part of an exchange project, and he has never been in his entire life to a symphonic concert. He has never listened to a piece of classical music, and he hasn't even listened to pop music. So for him, pop music and a symphony by Beethoven and a new piece by Pincher was exactly the same. Interestingly enough, on the program was my world premiere and the Fifth Symphony of Beethoven. And he was totally intrigued by my music and could indulge himself in the colors, not knowing anything. But he was shocked and terrified by Beethoven 5, which seems to be the most consumable
and well-known piece to the concert goer. Let's focus. We can do it. Don't drop it too early. Dolce. Yes. So that experience has really determined my thinking as a musical communicator for a long time until nowadays, and it goes back to the late 90s with this concert in Berlin, and I'm very grateful I had this experience. Okay, great. Ça va? Time. Yes. Naturally, naturally. And I think we all really know what it requires. I think we all feel it, and it's a great, you know, it comes deep from the earth, directly into our bodies. Let's just, you know, that energy rise into our system and share it, you know? No, seriously, it's, I mean. Yeah, that's how I feel it.